de nuit. Action. Impro. Qui va dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. Faut monter avec nous. 3, 2, 1. Impro. Putain, ce soir, je vais sortir la Jennifer. Sur ma bécane, ça va. Salut. Salut, Jen. T'étais pas censée venir plus tard, là? Ah, si, mais je voulais voir comment elle allait, ta mob. Ouais, t'as vu, hein? Elle rutile. Ah. Ouais, j'ai appris ce mot hier, j'ai trouvé ça génial. Elle rutile. Oh, qu'est-ce que t'es intelligent. Ouais, tu fais un rutilé avec moi? Ah ouais, je voudrais bien faire la dernière boîte de nuit à la mode. Ouais, tu fais n'importe quelle boîte que tu veux, Jen. Il y a un super DJ. Ouais. Il fait de la musique subaquatique. Bon, allez, on va dans la dernière boîte à la mode. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a trop pas d'ambiance. Ah non. Il faut faire genre, je ne l'ai pas vu, ça va passer comme une lettre à la poste. Il ne va pas se rendre compte. Ah, bah si, il a l'air de me reconnaître. Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent? C'est vous venez pour danser? Ah oui. C'est ça se voit. On danse? Bah, vous êtes pas habillé pour la plongée? C'est une boîte subaquatique ici, hein. Ah merde! Ah bah non, mais je savais pas! Ça donne carrément un style, on devrait faire ça. Vraiment, ça donne un style. Allez, ouais, aux toilettes, hein. Ouais, reviens. Ouais, je suis pudique. J'ai mon maillot de bain, mais... Je suis pudique. Vas-y, enlève tout, mais... on se connaît pas. Bah, mets les palmes, c'est pas gênant. Ok, d'accord. Allez, tournez-vous. J'aurais pas dû venir dans cette boîte à la mode. Et Jennifer, quand est-ce qu'elle vient? Jennifer, elle m'avait dit qu'elle serait là avant, hein. Ça, c'est à la mode. T'as pris ton maillot clouté, Jen? Regarde. Ouais, on fait ça. Allez. Tu m'as apporté le déguisement? Ah ben oui, attends. Vas-y, file. Salut. C'est quoi ce maillot, là? C'est mon maillot de tribord. Avec mes palmes. Bah, je vais rejoindre le plongeur en toilette. Mais en fait, tu voulais des cours de natation. Oh non, c'est pas là, aux toilettes. Ah, je vois que vous êtes bien habillés. Bah oui, vous avez vu, hein. C'est pas évident, par contre, notez bien. Pas évident. Non, mais il faut s'adapter. Vas-y, c'est ça. Faut simplement ne pas chercher à faire ce qu'on fait d'habitude. Il faut aller droit au but. Oui, bah dans la vie, je vais au bout, je vais droit au but, moi, de toute façon. Ouais, sinon, si on essaie de danser, ça donne quoi? À mon signal. Ah, votre... ah pardon. Ah, oh, le style qu'il a. Je sais. Ah, mais j'en perds mes peines. J'ai jamais vu un danseur comme ça. Alors, vous me sauvez de l'autre nade, hein. Toi, tu vas te calmer! Je m'en occupe. J'ai vu le premier, tu vas te calmer! Il faut un coup de palme! Ah oh, merci! Su que c'était comme ça. Moi, je voyais ça plus festif, quoi. Mais ils font toujours de la fête, des accordéons, des trucs. Tu le crois dans la ligne 6 du métro? Non, on est bien, y a rien. Ça sent la ferme, on est bien, oui, quoi. C'est la ferme. La nature, la nature. Voilà. Mais c'est l'heure de l'apéro en même temps.
C'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, à la ferme. Du pinot au frais. Ouais, tiens. Ah voilà. Bon, une bouteille chacun. Ouais. Bon, bah, nos vacances à Montargis. Ouais. Pendant ce temps-là, à l'office de tourisme de Montargis. Absolument qu'on convoque une réunion d'urgence. Deux touristes sont arrivés à l'improviste. Et... qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire foutre? Et... les deux touristes, ils sont venus voir ce qu'on voulait faire à Montargis. Et je sais, je sais, je sais. Oh, et regarde, t'as une tache. Pistache. Oh, je sais. On va monter, tu sais, ça se fait souvent, hein, un concours de lancer de piste. Je t'ai donné l'idée. Pas si con, les Montargisiens. Oh là là, on s'emmerde. Hein. Oh. Mais c'est, je t'avais dit. Je mets déjà les affiches. Tu veux la dernière pistache? Oh, la dernière pistache, mais me dis pas que c'est la dernière pistache. Ah, c'est la dernière pistache. Mesdames et messieurs, vous aimez la pistache. Là, c'est la dernière pistache. Eh ben justement, on vous propose un concours de lancer de pistache de Montargis. Ouais, je retiens. Ta mère qui nous a dit que vous devriez aller à Montargis. Ouais, bon, bon. Moi, je retiens. Premier prix. Vous gagnez votre poids en pistache. Et... oh, ça, c'est intéressant. Ça fait un bon prix. Ah, c'est la dernière. Moi, j'ai envie de jouer tout de suite. Ah, mais ça, bah non, là, c'est ça, vous jouez. Ouais, j'espère que tu as gagné. J'espère que tu as gagné. C'est toi la plus lourde. Ah, merci. Bah, allez, allez. Attendez, attendez. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres concurrents quand même. Bah, enfin. Bah, on se connaît. Bah, merde, on va perdre. On peut que gagner, on est ensemble. Il faut chier, Montargis. Alors, non. Il faut lancer où la pistache? Il faut lancer comment? Vous devez lancer bien droit devant. Là, dans la gueule du chien? Exactement. Oh, regardez. Oh, oh, Jean-Michel Dubois, champion du monde de lancer la pistache. Un autographe, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais faut le j'ai ici une dernière coquille. Vous pouvez me la dédicacer. La pistache. Faut le battre. C'est la dernière pistache. Ok. On va faire la loyale. Je vais chercher. Ah, c'est la pierre, caillou, ciseaux. On va commencer. Voilà. Ça marche, ouais, ça va être lourd. Faites donner l'exemple. Attends, il est de Montargis en même temps. Il connaît le terrain. Ben le coup, il a avalé la pistache. Ils étouffent, cet abruti. C'est bon, j'ai une autre pistache, on va gagner, du coup. Pouah. Ouais. Ils ont gagné. Tata, on t'a eu. Par KO. Montargis, enfin, c'est génial. Ouais, ben, on a gagné, on s'élèvera. Il est mort, je pense. Je... Mais c'est quand même une pistache lancée par Jean-Michel Dubois, je vais essayer de la récupérer. C'est pas très bon pour notre office du tourisme de Montargis. Si on apprend ça. Oh, on t'en fait tout un plat. Final. Eh, hey, monsieur Jean-Michel. Bon, mais j'ai gagné, quoi. Oh, bah tiens, la voilà, ta pistache. Oh, merci. C'est tellement lumineux. On pourra se faire un petit plateau télé chaque jour, tout ça, rien ne nous empêche, hein. Ça va être bien. Bon, j'ai une petite envie. Je me lance, hein. Tu t'en veux pas. Que je sois le premier, quoi. Ah mais vous avez la même petite envie, c'est ça, c'est ennuyeux. Bah écoute, honneur aux dames, hein. C'est là-bas. Tu m'excuses un instant, alors. Oui. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben c'est affreux. Il y a un problème? Oui, j'ai commencé, et puis... Ah, salut. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je suis votre voisin.
Et j'ai les clés, parce que je connais la nana de l'agence. Alors elle m'a dit, moi mes toilettes elles sont cassées, si vous voulez utiliser celle des voisins, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas très romantique. Alors hier j'ai mangé. Il faut pas comment dire, perdre une occasion de se faire des connaissances. Hein, Oh Yannick, écoute, c'est notre première soirée. C'est cool chez vous. Je peux rester à regarder la télé avec vous. Et puis, réfléchis bien. Hein? Il y en a tellement dedans, visiblement. Ça veut dire sans doute qu'il mange beaucoup. Et peut-être très bien chez lui, hein. Je peux regarder la télé avec vous? Je vais regarder ce qu'il mange. Et je peux regarder la télé avec vous? Oui. Ah, vous me répondez pas, là. Je vous parle. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même pour les toilettes? Bon, ça, moi, j'ai déjà les miennes. Qu'est-ce qu'il mange? Paella? Tu veux paella? Ah, vous avez... Mes copains, ils n'arrivent jamais à te filer. On va voir. Et franchement, Alors, allez-y. Ça a l'air délicieux. Enfin, je veux dire, c'était super bon. Enfin, bon, voilà. Quoi. Mais, si on remonte en arrière, quoi. Ah ouais, c'était vachement bon. Ding dong. Eh, ça sonne chez vous, hein. Je suis pas chez moi, mais j'entends ça. Déjà, je vais livrer la choucroute. Ah bah, c'est super, dis donc, on a eu super faim. Vous restez au noir, on peut les analyser. Très bien. Ouais, c'était dîner avec nous. Oui. C'est le traiteur d'en bas, et comme ça je vous le présente. Bonjour. Ouais, bonjour, on fait des choucroutes, des super choucroutes. Pas cher. Ah bah c'est pour ça. Ouais, regardez. Ah non, mais je préférerais que vous... Je vais faire connaissance. Ah, et puis je vais faire connaissance avec votre baron. Ouais, les toilettes. J'ai un mot de français. Non, mais... Alors là, mon couple, c'est mon couple qui est en jeu, faut... Il aime pour la choucroute, monsieur? Non, c'est pas ça, mais faut que personne mange ça, là. Oh non. Pourquoi tu veux pas manger ma choucroute, toi? Oh, je peux pas vous expliquer. Là, d'où c'est que tu viens là pour pas vouloir manger ma choucroute, toi? Oh, je suis désolée. D'où c'est que tu viens? Ne vous vexez pas. Bah, t'es quand même la première qui veut pas manger la choucroute, hein. Mais j'adorerais la manger, mais c'est après ça déborde, tout ça. Puis comme on s'est installé, j'avais l'intention qu'il me demande en mariage, tout ça, puis je. Oh, 15 jours après, à l'apéritif. Oh là là, ils sont quand même sympas, ces voisins, hein. Ah, celui c'était tellement. Ouais, j'ai armé les brochettes. Ah, super. Ah, c'est cool d'habiter avec vous. Ah, c'est vraiment bien, hein. Et puis, t'assures, toi, hein. Ouais. Au départ, je voulais pas. Et puis bon, bah... Mais le lit est bien confortable, c'est ça qui est bien. J'adore ça, ouais. Partager. Ouais, j'ai pas de forme en ce moment, mais je vous aurais bien prêté. Non, notez bien que ça va aller, hein. Ah, on est super bien du coup. Ah, je sais. Bon, bah, je vais rechercher un peu à manger. C'est par vrai. Contre, comment dirais-je, c'est toujours... C'est toujours moi qui ai les clés, oui. Et puis c'est toujours bouché. Final. Mais, à la réflexion, j'ai les clés d'un autre appartement. Ah, vous allez voir. Et ben voilà. Voilà. Et on y va. Merci. Qui va dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Voilà, mets ta combinaison. Dépêche-toi. T'as pas vu mon casque? Non. Oh, si. Il est dans le vestibule. Dans le sas. J'y vais. Ouais, tu devrais sortir. Mais bon, la lune, c'est super cool. On dirait qu'il y a du plancton en suspension. C'est génial. Du plancton en suspension. Ouais, bah moi, il n'y en a pas, mais c'est tout comme. Ouais, c'est parce qu'on nous avait décrit quand même dans le manuel, ça. Ouais, je l'ai pas lu. C'est vrai qu'avec leur manuel qui font 3242 pages, là, 46012 articles, c'est pénible. Ouais, faut peut-être la trouver, cette grotte. Ouais, bah dans le manuel, tu tournes 10 fois à gauche, puis à droite, puis à gauche, et c'est tout droit. Ouais, voilà ça. J'ai cru, ils sont arrivés. Mon Dieu. Stop au jeu. Un mot. Cataracte. Mais quoi d'autre? allez. Ragondin, pas mal. Quoi d'autre? Fleur. Eh ben, on va prendre Ragondin. Action. J'ai vu des gens arriver. Ils arrivent sur l'autre planète. Mon Dieu. Roger, j'entends des bruits bizarres là, c'est quoi? Ouais, moi aussi, c'est moi pas... je sens qu'ils sont venus nous piquer. Super, on va pouvoir leur échanger de l'argent. Oui. Ça ressemble à des clients. Je me disais, vous pourrez leur vendre des ragondins. Roger, c'est notre grande ressource. Ouais, t'entends, il y a des parasites. C'est ça. Okay. Mais on ne vend que ceux qui sont farfelus.
par-ci. Mako ! Et cher, hein ? T'as pas un petit creux, là ? Il paraît que dans l'Union Monétaire, je sais pas, ils sont très riches, là. Mais je te laisse te démerder 5 minutes, hein. Je vais pisser un coup, moi. Mais le module, il est à 3 km. Pff, oh, je suis dans la merde. Monsieur ? Ouh ! Oh ! Émilie ! Fais une approche douce. Bonjour ! Bonjour ! Nous avons des radars. Bonjour ! Connaissez-vous notre spécialité, ragondin farci de la Lune ? Écoutez, c'est ma première fois sur la Lune. On peut vous l'envoyer en tuyau, si vous voulez. Je viens, attendez, je me branche. Stop au jeu, un mot. Bougie. Oui, quoi d'autre ? Rognon. Oui, pas mal, j'aime bien rognon, oui. Quoi d'autre ? Gargouille. Eh ben, on va prendre rognon. Action ! Regardez ! Nous avons ici un menu dégustation M16 avec ragondin farci à la tomate, ragondin farci. X203, il n'a pas l'air d'apprécier le ragondin farci. Oh. Hey, je viens découvrir, je vous écoute. Je suis là pour... Alors on a quelque chose d'assez exceptionnel. Digeste. Mais on fait ça que vraiment quand c'est exceptionnel. Parce que les ragondins ont aussi des petites testicules. Et voilà, ragondin farci. Envoyé. Et c'est rognon. Mmh. Bon, tu te manges, là, je suis en train de bouffer des couilles du ragondin. Envoyez le tuyau. Stop au jeu. Un mot. Les prochaines. Pardon. Les prochaines. Oui, un autre mot. Si je ne sais pas ce que c'est, je ne prends pas. Crocodile. Voiture. Comment ? Voiture. Crocodile, on va jouer avec crocodile. Allez, action. Oui. Je comprends pas ce que tu dis, t'as pris la couille de ragondin lyophilisé ? Ouais, viens par ici là, je te file un tuyau, tu vas voir, c'est délicieux. Ça marche, j'arrive. Avec toi, je me débranche. Par contre, comment comptez-vous régler ? Mais je vais faire un tour à la navette. Vous nous en prenez combien de tonnes ? Oh bah mettez tout, on est parti pour un moment, hein. Ok, mets tout. Ils ont une sacrée politique monétaire quand même, hein. Et comment comptez-vous régler ? Comment on compte régler, Roger ? Attends, je suis en train de fouiller dans la réserve, voir ce qu'on a un peu à leur donner. C'est avec la chute de l'euro, on est mal, là, hein. C'est une arnaque, je sens que c'est une arnaque. Ok, j'ai trouvé. On a un stock de sacs à main Louis Vuitton en crocodile. Je reprends de pause. Ouais, vas-y. Oh, regarde ! C'est le Financial Moon. Oh, il paraît que sur la Terre, il y a une nouvelle politique monétaire. Oh, ils préfèrent le Financial Moon. Ils essayent de nous refiler tout leur cuir. Ils ont plus de sous, ils ont plus rien. Ils sont pauvres. Eh hey, les amis. Oh, tu es au bout d'un marché. Oh. Oui. Ça vaut très cher sur la Terre. C'est des sacs à main Louis Vuitton en crocodile. Ouais, foutez de ma gueule. Vous pourrez ranger les couilles de ragondin. Non. Mais c'est des faux, ça se passe, c'est des faux. Comment c'est des faux? Les derniers terriens qui sont venus, ils nous ont refilé quand même tous leurs t-shirts Lacoste et c'était que des faux. C'est gravé en dessous, regardez. Oh là, on se fait avoir. Moi, je veux qu'une chose. Les polos Lacoste, c'est mort, ils ont déjà pris. Je veux des sacs à dos Hello Kitty. Des sacs... Merde, des sacs à dos Hello Kitty. Bah, je fais un aller-retour sur la Chine, je reviens. Vas-y. J'ai entendu dire que c'est la seule chose qui n'avait pas perdu de valeur. Je vous fais des claquettes pour patienter. On a un compteur intergalactique qui arrive. Over. Même toi, j'en peux plus des claquettes. Oh, on va leur faire une réduction, non? Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore les claquettes. Bon, mesdames, messieurs, c'est l'heure de la méthadone. Merci. Dans un lycée au fin fond de la forêt lointaine, un élève, ou plutôt, une élève. Je suis une élève. Oh. Salut. On l'appelait la princesse du lycée. On m'appelle la princesse du lycée. Je déteste ce nom. Elle était belle, tout le monde la trouvait resplendissante.
Ah, t'es trop belle, je te déteste. Malheureusement, elle était nulle en philosophie. J'ai jamais compris. J'ai essayé de lire, même les choses de base. J'ai tout lu avec des gars, j'ai jamais compris. Un jour, Jean-François, élève brillant en philosophie, arriva. Salut. Salut, Jeff. Jean-François connaissait tout Heidegger, Kant, Descartes. J'ai même lu Platon. En suédois. Fais un petit tour dans la caverne, Jeff. Ouais. Dans la caverne. Ils décidèrent d'aller tous deux. Allez. Dans la cave du lycée. Ouais. J'ai la clé de la cave du lycée, tu viens avec moi? Bah oui. Ok. T'es le premier qui est que mon surnom gêne pas d'être la princesse du lycée. Ça me fait plaisir, hein, tu sais. Franchement, que... t'es une vraie princesse. Allez, suis-moi. Oui, c'est un peu noir, mais j'ai l'habitude. Ah bah, je vais carrément noir. Tu vois là, c'est là que je révise. Mais c'est où les lumières? Bonjour, je me présente BHM. Voilà, et mon prof particulier. Ça va, BHM? Je lui ai tout appris. Dans la cave du lycée, Jean-François retrouva son mentor. BHM. Il vit dans BHM. La cave, BHM. Eh, BHM, vit dans la cave. Il est devenu aveugle. La caverne, le mythe, Heidegger. Mais il y en a plein des mythes en plus dans cette cave. On est pas maîtres de pull en laine. Mais c'est nul ici. C'est pour ça que je suis toujours en latex. Pourquoi croyez-vous que j'ai toujours les belles chemises blanches? Mais j'avais pas remarqué. Eh ouais, regarde. Ça moule mes pectoraux. Je sais. Ça, t'es pas obligé de toucher, tu sais. Jean-François avait des pectoraux. Très proéminent. Oui, mais moi, on les voit pas sous ma chemise blanche. Ouais. Mais j'ai des pectoraux proéminents. Lui, ça brille dans le monde. BHM avait lui aussi des pectoraux. Et je peux dire, je les ai touchés, ces pectoraux. C'est vrai? Mais le plus gros chez lui, c'est son cerveau. Ah. Ouais. Et je vais te laisser entre ses mains. Pour que tu deviennes une championne de la philo. T'es d'accord? Et puis après, tu me retrouves là-haut. Mais tout d'un coup, celle qu'on appelait la vieille Cerbère, la professeure de philosophie, débarqua. Qu'est-ce que vous faites dans la caverne? Oh mon Dieu, elle est de retour. Oh, même Cerbère, bonjour. Oh, on préfère le... L'endroit n'est la... l'acceptance de la philosophie. Ouais. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, je préfère être sourd. Ça veut dire que tu ne sais pas penser, petite Péronnelle. Tu n'es vraiment qu'une petite princesse. Madame Cerbère, malgré son penchant pour Nietzsche, n'avait guère envie de rire. Moi, je suis pas drôle. Ah, elle adore Bergson en plus. Oh, le paradoxe de ouf. Ainsi parlait Zarathoustra. Ah, je te l'avais dit, elle jure que par Nietzsche en plus. Non. Comment on va faire d'un pour coup de la philo? Elle sortit un sujet du bac de 1929. Est-ce que ce que tu possèdes en action te permet d'agir si tu ne les as pas? Trop dur. Ça dépend. Attends, j'ai un tour. Mais à ce moment-là, j'ai tout en forme. Jean-François se retourna et... Attends, l'anal du bac de 1929. Mais ouais, j'ai travaillé quand j'ai passé Normal Sup, je m'en souviens. Bon, je l'ai pas eu, mais bon, celle-là, je l'avais réussi. Alors, c'est un plan en trois parties. Première partie... Ouais, tu les as, ouais, c'est bon. Oh là, tu balances Heidegger, tu les Kant. Tu les as. Tu les as, d'accord. Jean-François compta avec brio son plan. Cerbère dut s'incliner. Je m'incline devant tant de philosophie. Et ouais, même sa mère. Ça me fait chier. Mais je vous laisse la caverne. Ouais, c'est sympa. Et vous touchez pas à tout le shit, hein. La princesse et son prince Jean-François en profitèrent de la caverne pour... Du shit? Où ça? Final. Ah, c'est BHM, il tourne au shit. Ah, c'est cool. Je me doutais. Mais c'est où alors? Ouais, je crois que c'est là. Tiens, roule dans les annales à 2019. Ouais, vas-y. Voilà, un beau calisson de la paix. Allez, vas-y. Ça, c'est un coup. Ils vivaient, fumèrent et philosophèrent en paix. Merci. J'adore. Ah, un beau. Merci.
soirée qu'ils organisent à Copacabana, un grand tournoi. Et nous, les Belges, on va le gagner. On va le gagner. Nous voilà déjà à Copacabana. Et vous venez pour le poker? C'est ça. Venez. Je viens pour gagner. Je vous emmène à la table. Voilà. Comme d'habitude pour l'Hollande. C'est un peu compliqué. Vous venez d'où, vous? Vous n'avez pas un accent comme nous. Vous ne bougez pas comme nous. Je t'attends un peu. Je viens de Bruxelles. Bruxelles? Oui. On danse la samba là-bas. On mange des frites. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, on gagne le poker. Super. Je ne trouve plus mon équipe, là. J'avais une équipe de Belges sensationnelle. Ça ne les a pas vus par hasard. Moi, je ne fais pas très bien. Ah, écoutez, c'est une horreur. On a volé toutes mes valises à l'hôtel. J'étais planté à l'hôtel dans ma chambre. C'était une suite nuptiale. C'est une suite nuptiale sans autre personne que moi-même. J'attends une jolie femme que j'ai. Mais mon ami, tu es à Copacabana. C'est l'amour, c'est la fête. T'es tout nu. Mais très bien. Mais on m'a volé toutes mes valises et toutes mes affaires dedans. C'est pas grave. On verra pas si tu triches, au moins, avec les cartes. Mais il y a toutes mes affaires dedans, vous comprenez? Je vais pas vivre toute nue dans une seule tenue pendant tout mon séjour à Copacabana, écoutez. Tu entends ça? Mais tu vas vivre nue, enfin. Mais je vais vivre nue, je vais vivre nue. Tu fais toujours à Bruxelles. Mais je suis très pudique à l'étranger. Oh, si, mais si. Enfin, tu prends des photos de toi avec le mannequin pisse dans un arrêt. Bah oui, je l'imite souvent. Et là, tout d'un coup... Tu veux t'habiller, hein? Bah, c'est la société, c'est dis le... Dis plutôt que tu as perdu tes cartes truquées dans les valises. C'est ça, là, que tu as perdu. C'est un peu vrai, c'est ça qui me chagrine le plus. Tu m'as douté, là. Bon, mes amis, ça suffit. Là, c'est la fête, on est à Rio. On va faire les pokers. Alors, pour vous arranger, on ne fait pas poker des habilleurs. Très bien, écoutez, commençons, parce que j'ai un peu oublié les règles, hein. Alors je vous demanderai, je vous prierai de... Enfin, je ne sais pas comment on dit chez vous, mais... Je vous sers deux cartes, chacun. Bien. Et nous allons distribuer les cartes. Si vous réussissez à avoir le meilleur, je me mets toute nue et je danse la samba. Ça, c'est pas gagné, merde. Je vais aller chercher tes valises. Vous faites exprès de sortir. Vous faites exprès de perdre, vous faites exprès de perdre. Je n'ai pas envie de voir personne tout nu, compris moi-même. Tu veux pas casser des habits? Bah, je sais pas, je préfère toi, tu vas tout tenir. Carré de deux! Et on a gagné! Pendant ce temps-là, à l'aéroport. Mais qu'est-ce que c'est que cette valise? Des frites congelées, décongelées. Mais qui donc est le propriétaire? Oui, allô, bonjour. Oui, allô. Monsieur Van Bruggel, à Paris, j'écoute. Oui, monsieur Van Bruggel. Oui, c'est mon maître. C'est bien vous, monsieur Van Bruggel. C'est bien moi, monsieur. J'ai ici votre valise. Oh, c'est parfait, vous avez retrouvé ma valise. Oui, bien sûr. Mais où est-vous, nom de Dieu? À l'aéroport. À l'aéroport, je pense. Bien sûr. Vertu à l'hôtel. Bon, je vous l'amène à l'hôtel. Bah, bien, bien, bien. C'est le Royal Majesty. Bah, il a raccroché. Bon, je la remets dedans quand même, les frites. Hein. Là, bien. Oh, vous voici. Ah, vous voilà. Reconnais ma valise. Voilà. Et votre valise? Ah, ça, c'est très gentil à vous, hein. Je vais vous donner un petit pourboire. Écoutez, ça, c'est très gentil. C'est des jetons de poker, d'ailleurs. J'ai vu que vous participiez au... tournoi de poker. Oui, et... oui, mais modestement. Est-ce que vous auriez pas vu une femme... comment...